bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Héros de la Terre du Milieu, ou alors Heroes of the Middle Earth. C'est un jeu Seigneur des Anneaux, hein, comme son nom l'indique. Hein. Et donc c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez toutes retrouver sur mes playlists de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez tout ça. Donc il y a du nouveau qui va arriver sur le jeu, de nouveaux héros surpuissants. Enfin les grands noms arrivent, les premiers grands noms qui arrivent. Donc nous avons la communauté de l'anneau s'approche, la communauté de l'anneau s'approche, ils arrivent, faites place à la communauté. Legolas, Gimli et Gandalf le Gris, des héros dont le seul nom suffit à évoquer l'esprit de camaraderie, l'aventure et les dangers mortels. Quel destin les attendent en ce temps de bouleversement et de chaos. Ils arrivent en Terre du Milieu pour vous aider dans votre voyage à condition que vous les aidiez dans leur... J'ai pas plus. Peut-être que vous aurez la suite. Donc il y a des nouveaux événements qui vont arriver, qui vous permettront d'avoir Gimli et Legolas. Là, les deux héros qui sont là. Voilà. Là, vous aurez Gimli. Donc logiquement, si c'est comme pour les autres, vous l'aurez au moins 3 étoiles. Voilà. Là, vous aurez Legolas. Donc sûrement pareil, 3 étoiles. Et vous voyez, vous avez, par contre, lui, vous avez 7 quêtes à faire, alors que l'autre, il est un peu moins, je crois. Il n'y a que 6. Donc, en général, vous finissez avant la dernière. Donc, à mon avis, là, vous finirez à la 5e. Et là, à la 6e. Est-ce qu'on les voit déjà ici, les nouveaux héros? Ouais, je sais, j'ai pas mal de héros. Alors, non. Legolas, voilà. Legolas et Gimli. Nous avons Mister Legolas qui est là. Donc c'est un chef apparemment. Capacité de leader. Lorsque l'elfe du groupe esquive une attaque, il y a 50% de chance de gagner implacabilité pendant un tour. Donc il fera une team que de elfes. Donc ça peut être pas mal. Après il faut voir qui c'est qui est comme elfe. Attaque les cibles ennemies en lui infligeant son grand dégât. Attaque 3 fois un ennemi ciblé et lui inflige 1. Attaque la cible ennemie en lui infligeant 200 dégâts. Attaque ignorée. Donc c'est pas mal. Et pour finir, en cas de coup critique, autre avantage. Donc voyons voir si il y a des elfes. Je vais mettre elfe, voir qui c'est qu'on peut avoir dans le elfe. Elfe. Ouais, il y en a. Ouh, ça pourrait être une bonne petite team. Eladen, vous mettez Eladen en niveau tanking. Legolas, si vous avez Seigneur Elrond, c'est pas mal, mais c'est un légendaire qu'on ne ferait pas de suite. Arwen, Lémion, 1, 2, 3, 4 et Héroïr, 5. Ça peut être pas mal. Après, je crois que Namerir, c'est un heal, donc peut-être à la place de Héroïr ou à la place de... Lomion, à voir, ça pourrait être pas mal, une bonne petite team elf. Et pour finir, nous allons avoir Gimli. C'est Gimli? C'est Gimli ou c'est plutôt le Hobbit Gimli? On peut plus du tout. Donc lui, ce sera pas un leader. Donc attaque de la cible en lui infligeant 90% de dégâts. Attaque la cible en lui infligeant 70% de dégâts. Faiblesse de tour. Cumule de provocation. Et lorsque les membres du groupe nain ou de la communauté voient sa santé tomber sous les 75%, lance une riposte contre l'attaque. Ok, sympa. Donc voyons voir un petit peu nain ou communauté pour lui. Donc on va voir chez les nains. Les nains, nains. Est-ce qu'il y a une type de 5? Non, il n'y a que du 4. Je n'ai pas tout encore déverrouillé.
Donc là, vous pourrez pas forcément avoir une team complète niveau nain. Mais niveau communauté non plus. Mais par contre, vous pourrez avoir Gimli et Legolas en communauté. Donc Gimli, pour l'instant, même si vous le gagnez, pas utile pour faire une team complète. Par contre, Legolas, version elfe, ça peut être pas mal. Ça, vu qu'il y a Arwen et tout, etc. Et l'autre légendaire, ça peut être sympa si vous arrivez à avoir tous les elfes. C'est surtout une scène Elrond là, c'est pas mal, c'est sympa, sympa. Voilà les nouveaux héros qui va bientôt y avoir. Donc ça sera dans début dans 10 jours pour celui-ci et dans 3 jours celui-ci. Pour moi bien sûr, tout dépend quand vous verrez la vidéo. Voilà. Et ben j'espère que vous pourrez avoir ces deux nouveaux persos. Je pense que comme tout le monde. Hein. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne game, et on se retrouve à très bientôt pour plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à cocher la cloche. Merci à vous si vous pouvez faire tout ça. Et n'oubliez pas, je suis partenaire du site Instant Gaming. C'est un site qui vous permet d'acheter de jeux dématérialisés à prix réduit. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur la description. Ça vous envoie sur leur site. Une fois que vous êtes sur leur site, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé le compte grâce à mon lien, vous pourrez télécharger tous les jeux que vous souhaitez, acheter tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit, pardon, sur tout type de console en dématérialisé. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game. Ah, n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre aussi la communauté sur la famille, sur le Discord de la famille Biquette pour rejoindre une communauté de FR sur les jeux auxquels je peux jouer, dont celui-ci si vous souhaitez. Allez, sur ce, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.